Nous sommes un groupe exclusivement féminin. On est chorégraphié par Babson, Baba, One Tet Pussy, Serial Steppers. Et c'est lui qui a eu l'initiative de ce projet. Donc c'est le projet Afro House, réunir une équipe de filles qui avaient déjà un background dans la danse, un peu dans tous les styles de danse, donc house, hip-hop, hype, locking, un peu de sol, etc. Et de former une équipe pluridisciplinaire au service de la Afro House. Donc on se présente comme les ambassadrices de ce mouvement et ça fait à peu près un an et demi qu'on est ensemble, qu'on tourne sur les plateaux concours chorégraphiques, les battles, les festivals, et puis là on prépare une création, donc en partenariat avec la Villette, où on présentera notre première pièce. Le nom, il a été trouvé par le groupe, avec le chorégraphe et nous-mêmes, parce que c'était un mot qui nous ressemblait, paradoxe. Ça s'écrit paradoxe-sal, paradoxe sale, sur le sale pour dire qu'on est dans un mouvement hip-hop, c'est du sale, on est là pour envoyer du lourd. Et le paradoxe, c'est le paradoxe de voir arriver des filles comme ça, un peu lookées, gentilles, mignonnes, et en fait, voilà, on n'est pas du tout là pour faire les filles sur scène. Donc c'est le paradoxe de femmes mais guerrières, le paradoxe d'être dans la cour des danseurs sans genre féminin, sans genre masculin, juste des danseurs au sens général. Le paradoxe de dire qu'on est sur des afro-house, mais qu'en fait sur des sons afro-house, on va faire du locking, de la hype, du break, voilà, on tourne sur la tête et tout, quoi. Donc voilà, le paradoxe, il est là, et paradoxal pour plein d'autres raisons, mais c'est un peu ça la base qui nous a fait choisir ce groupe-là, ce groupe-là.